Вы знаете, в чем наша прелесть, в отличие от соседнего государства, соседнего народа? У нас есть воистину настоящие друзья в разных странах мира. Некоторые из них известны по именам практически каждому армянину. В Чехии это была Дана Мазалова, в Великобритании это Кэролайн Кокс, в Болгарии, в Ирландии, в других странах. Ну, во Франции первое имя это, конечно же, депутат французского парламента Валери Буайе. Эти люди искренне трудятся во благо армянского народа, во благо армянского вопроса. И порой делают эти люди то, чего не могут сделать армяне. И вот с одной из таких наших друзей встретился наш корреспондент во Франции Роберт Мушугян. Интервью с Валерией Буайе представляю нынче вашему вниманию. Bonjour, madame Boyer. Bonjour. Je voulais vous poser une première question. Le 5 octobre en pleine guerre, le 5 octobre 2020 en pleine guerre, le président de l'Azerbaïdjan Ilham Aliyev a déclaré « Si la France veut déterminer son propre destin pour le Haut-Karabakh, laissez-le leur donner la ville de Marseille où près de la moitié de la population est arménienne. » Premièrement, en tant que conseillère municipale de Marseille et ancien député, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est vrai, est-ce que la moitié de la population de Marseille est arménienne? Et comment, en général, vous commenteriez-vous cette déclaration du président azerbaïdjanais? D'abord, à Marseille, il y a des gens qui sont français et d'autres qui ne le sont pas. La plupart des personnes d'origine arménienne ou qui portent un nom arménien aujourd'hui sont françaises et ne représentent pas 50% des Marseillais. Cette assertion en forme de boutade provocatrice raciste du président Aliyev est plus que déplacée. Elle est totalement inexacte par rapport à l'histoire de la ville et par rapport à l'histoire de la France. Très bien. Et d'ailleurs, je rajouterais que en France, aujourd'hui, il y a des Arméniens comme il y a des Auvergnats, des Provençaux ou des Bretons, c'est-à-dire des personnes qui sont, qui portent un nom d'origine arménienne, des personnes qui peut-être mangent comme on mangeait en Arménie ou en Turquie quand il y avait des Arméniens encore ou dans le Sud-Caucase, mais qui sont 100% français et 100% arméniens, comme disait Charles Aznavour. Très bien. Une question un peu générale concernant votre passé. À quel moment votre implication dans la défense de la cause arménienne et de la cause des chrétiens d'Orient a commencé exactement? Est-ce qu'il y a eu un déclic et c'est un élément déclencheur ou c'était quelque chose de... Je ne dirais pas qu'il y a eu un déclic, mais c'est vrai que quand on est élu d'un territoire, on s'intéresse à l'histoire de ce territoire et aux personnes qui la composent. Effectivement, à Marseille, la question de la pénalisation du négationnisme et de la reconnaissance du génocide de 1915 a toujours été extrêmement importante dans la classe politique, quel que soit le bord politique d'ailleurs, puisque ça a toujours été quelque chose de transcourant. Je me suis intéressée à cette question en faisant de la politique à Marseille, en étant élue de Marseille, bien évidemment, mais aussi parce que c'est une question universelle. Et la question de la pénalisation du négationnisme s'est posée, j'allais dire malgré moi, en 2011, lorsque le Sénat, avec le fantôme de Badinter, si je puis dire, parce qu'il n'est plus sénateur à cette époque-là, a ressurgi lorsque le Sénat a refusé d'examiner en 2011 la pénalisation du négationnisme qui arrivait à l'ordre du jour après 10 ans, plus de 10 ans après la reconnaissance du génocide. Parce que vous savez que le génocide de 1915 a été reconnu par la loi française, mais que malheureusement, la séance a été interrompue par le président de séance, en l'occurrence M. Debré, et que le deuxième volet, qui était la pénalisation du négationnisme, c'est-à-dire ceux qui ne reconnaissent pas le génocide de 1915 devaient être pénalisés, puisque ce texte ressemblait, était calqué sur celui de la pénalisation du négationnisme pour la Shoah. Et, la loi Guesso, il me semble. Comment la loi Guesso, qui est la reconnaissance de la Shoah.
Et effectivement, depuis la reconnaissance du génocide de 1915 par la loi française, on est dans une concurrence des mémoires, puisqu'on a un génocide qui est reconnu par la loi française, en l'occurrence la Shoah, qui autoporte un dispositif de pénalisation du négationnisme, c'est-à-dire qui sanctionne les personnes qui disent que, par exemple, la Shoah, c'est un détail de l'histoire, ou que la Shoah n'a pas existé, ou que les gens qui disent qu'il y a eu un génocide disent n'importe quoi, qui assimile ça à une opinion raciste, puisqu'en France, le racisme n'est pas une opinion, c'est aussi un délit. Eh bien, malheureusement, pour la reconnaissance du génocide de 1915, eh bien, nous avons un texte qui est un petit peu hémiplégique, puisqu'on reconnaît le génocide, mais on ne porte pas un dispositif de sanction. Or, vous savez, en droit français, le droit français n'est pas déclaratif, il fait grief, c'est-à-dire que, par exemple, si vous grillez un feu rouge, eh bien, vous êtes sanctionné. C'est pas simplement, on ne se contente pas de l'interdiction de griller un feu rouge. Demain, en France, si vous tenez des propos racistes, eh bien, vous pouvez être jugé et sanctionné. Donc, malheureusement, pour le génocide de 1915, ce n'est pas le cas. Et quand on voit ce que les loups gris récemment ont pu faire en France, notamment pendant le conflit du Karabakh, on voit qu'on a vraiment besoin d'un dispositif de pénalisation du négationnisme. Donc, pour répondre plus précisément à votre question, effectivement, en 2011, j'ai déposé une proposition de loi qui proposait un chemin pour pouvoir pénaliser le négationnisme, c'est-à-dire qui s'appuyait sur la reconnaissance par la loi française du génocide de 1915, et qui proposait de pénaliser les personnes qui niaient l'existence de ce génocide. Ce texte a été examiné à l'Assemblée nationale en décembre 2011, il a été adopté, puis au Sénat en janvier 2012, et malheureusement, il a été rejeté par le Conseil constitutionnel. À la suite de ce rejet, j'ai été réélue députée, et donc j'ai redéposé un autre texte qui a été examiné dans une niche Les Républicains en tenant compte de ce que le Conseil constitutionnel avait dit, mais malheureusement, ce texte n'a pu aboutir. D'accord. Juste pour revenir à au fait que le Conseil constitutionnel a censuré donc la loi visant à pénaliser la négation du génocide arménien, il me semble que ce sont 65 députés et sénateurs qui ont saisi le Conseil constitutionnel. C'est la procédure. Oui, c'est la procédure classique. Vous savez, tous les textes font l'objet d'un examen et la loi prévoit qu'on puisse saisir le Conseil constitutionnel. Ça se fait très régulièrement. D'accord. Et comment expliqueriez-vous la position de ces députés et de ces sénateurs qui ont pensé que peut-être cette loi était contraire à la liberté d'expression et dont le Conseil constitutionnel devait se saisir ? Est-ce que c'était une question de lobby ? Est-ce que c'était une question de sentiment personnel ? Ou seulement de son appréhension propre de la Constitution ? Tout à la fois, puisque cette demande de censure du texte, elle avait plusieurs objectifs, enfin plusieurs origines. D'abord, il y avait un certain nombre de députés qui sont contre les lois mémorielles, mais bon, je pense que ce n'est pas un débat, puisque en France, on a des lois mémorielles. Par exemple, on a décidé qu'on fêtait le 14 juillet, le 8 mai, le 11 novembre. Tout ça, ça fait partie de notre mémoire. Même les lois sur les anciens combattants, pour qu'ils puissent avoir des pensions, ce sont des lois mémorielles. Donc, moi, je trouve que ce débat n'a pas lieu d'être. En l'occurrence, celui de réécrire l'histoire en est un vrai. Mais à partir du moment où la représentation nationale, l'Assemblée nationale décide qu'un génocide doit être reconnu, effectivement, moi je dis qu'il est anticonstitutionnel, qu'il n'autoporte pas qu'il ne porte pas un dispositif de pénalisation du négationnisme. C'est la raison pour laquelle, suite aux remarques du Conseil constitutionnel, d'ailleurs qui fragilise énormément la loi Guesso, mais ça c'est une parenthèse, suite aux remarques du Conseil constitutionnel, j'ai déposé deux autres textes pour justement contourner ces remarques et proposer un autre chemin. Mais malheureusement, cela n'a pas été possible d'aller plus loin, même si ça a été examiné dans une niche Les Républicains à l'Assemblée nationale. D'accord. Et voté. Très bien. Et pour revenir un peu au présent, le 25 novembre, il me semble, le Sénat a voté la reconnaissance du génocide arménien. Ça a été le cas aussi pour l'Assemblée nationale le 2 décembre. C'était une résolution qui invitait le gouvernement français à reconnaître la République du Haut-Karabakh.
mais l'opinion, on va dire la position officielle du ministère des Affaires étrangères et du gouvernement français, consiste à dire que la France fait partie du groupe de Minsk et que ce serait ne pas être neutre. Il y a plusieurs choses. C'est vrai que moi, ça fait des années, peut-être plus de 10 ans, je crois, que je demande que le Parlement, l'Assemblée nationale comme le Sénat, puissent disposer d'un groupe d'études à l'Assemblée nationale puis au Sénat sur le Haut-Karabakh. Alors, vous savez que je ne parle même pas d'un groupe d'amitié, mais d'un groupe d'études. Un groupe d'amitié, c'est quelque chose de très officiel et de formel, mais vous avez des groupes d'études, je ne sais pas moi, sur les fruits et légumes, sur le chocolat, sur le cheval, sur les professionnels de santé. L'ARCSAC n'étant pas un pays reconnu par la communauté internationale, moi j'avais demandé qu'on puisse avoir un groupe d'études pour pouvoir traiter de toutes les questions liées à l'ARCSAC. Malheureusement, ce groupe d'études a été refusé. Il faut savoir quand même qu'il y a des pays comme la Palestine ou comme le Tibet qui ont eu des groupes d'études, ou même le Sahara occidental, qui pourtant est une province du Maroc, les provinces du sud du Maroc. Mais ces pays-là ont eu droit à des groupes d'études, mais pas l'ARCSAC. Forte de ça, effectivement, dès le début du conflit, je venais à peine d'être élue sénateur, puisque mon élection de sénateur date du 1er octobre 2020. J'ai tout de suite, bien évidemment, alerté sur la situation, puisque ça a démarré le 28 septembre 2020. J'ai proposé une résolution qui visait à reconnaître l'ARCSAC, mais aussi à sanctionner la Turquie et l'Azerbaïdjan. J'avais, avant de quitter l'Assemblée nationale, proposé une résolution visant à sanctionner la Turquie déjà pour toutes les exactions qu'elle avait pu commettre, notamment dans le bassin méditerranéen, en Méditerranée orientale, contre la Grèce, contre Chypre, contre le Liban, contre la Libye, et aussi contre les Kurdes, bien évidemment. Et c'est vrai qu'on était très inquiets pour l'Arménie et l'ARCSAC parce que que l'on redoutait, s'est passé. Mais avant ça, c'est vrai que Erdogan a essayé de voir où il pouvait pousser ses pions, puisqu'il ne se cache pas de vouloir reconstituer l'Empire ottoman et même au-delà. Concernant la Turquie, vous parlez d'Erdogan, vous parlez de l'agression aussi de la Turquie contre l'Arménie avec l'Azerbaïdjan. La pensée dominante, en tout cas en Arménie, c'est qu'une fois le Haut-Karabakh tombé, ce sera au tour de l'Arménie de faire face à l'islamisme un peu déchaîné d'Erdogan, aux velléités d'Ilham Aliyev. Est-ce que vous pensez que M. Erdogan ira jusque-là? Est-ce que le Haut-Karabakh n'était qu'un prétexte pour empiéter un peu sur les droits des Arméniens en général en Arménie, pas seulement au Haut-Karabakh? J'espère que non. J'espère que non, mais vous savez, Erdogan, comme Hitler l'a fait, annonce toujours ce qu'il va faire. Ça fait plusieurs années que ça dure. Il ne faut pas oublier qu'il a essayé cet été, enfin il a quand même franchi, Erdogan fait partie de l'OTAN, ce qui peut sembler une chose totalement abracadabrante dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, même depuis plusieurs années. De toute façon, à partir du moment où on prend dans l'OTAN un pays qui occupe un autre pays de l'Union européenne, en l'occurrence Chypre, et que cette situation dure et que les exactions de la Turquie envers les minorités, envers la presse, envers le négationnisme dont il fait preuve par rapport à la reconnaissance du génocide, son agressivité vis-à-vis des Kurdes, son attitude totalement ambivalente, pour ne pas dire complice, de l'organisation État islamique pendant le conflit avec la Syrie, son chantage aux migrants, tout ça devrait faire en sorte que ce pays soit exclu de l'OTAN. Pourtant, non seulement ce n'est pas le cas, mais il continue à y adhérer. Et c'est vrai que depuis l'été 2020, notamment, alors que toute l'Europe occidentale et même une partie du monde était, j'allais dire, paralysée par la situation du Covid-19, eh bien, Monsieur Erdogan n'a eu de cesse que de provoquer l'Union européenne, puisqu'il a survolé
avec des avions chargés, c'est-à-dire avec des avions armés, l'espace aérien grec. Il est rentré dans les eaux territoriales grecques avec des avions militaires chargés. Il a été agressif avec la Libye. Il a continué à massacrer les Kurdes. Il revendique l'île dont le nom m'échappe, grec, de Keralios, je crois. Je crois que c'est Keralios. C'est ça, c'est Keralios. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il veut, faire en sorte que ça interrompe la continuité, la continuité territoriale, enfin que les eaux territoriales qui lient la Grèce à Chypre soient interrompues, ce qui serait le cas si cette île qui a toujours été grecque passe dans le giron turc. Il fort bien évidemment pour chercher du pétrole dans les eaux territoriales chypriotes. Et ne nous y trompons pas. Peu de temps après la prise d'une partie de l'Axarte, il s'est rendu à Varosha, c'est-à-dire en zone neutre à Chypre, pour pouvoir plastronner sur cette victoire. Donc effectivement, nous avons affaire à une personne qui fait tout ce qu'elle va dire et qui ne cache pas sa volonté de devenir le leader du monde sunnite, de reconstituer l'Empire ottoman et même au-delà, puisque tout à l'heure j'évoquais le Maroc et le Sahara occidental, puisqu'il veut aller jusqu'à l'Atlantique. Donc on voit bien qu'il a des desseins extrêmement précis et que ces desseins, eh bien, il les met à exécution. Il a aussi dit à plusieurs reprises, et le président Aliyev qui a emboîté le pas d'ailleurs, il a aussi dit à plusieurs reprises que l'assimilation c'était un crime contre l'humanité pour ses citoyens turcs, que les citoyens turcs ne devaient jamais perdre leur nationalité, qu'ils ne devaient pas s'assimiler, sinon ils s'étaient considérés comme des traîtres, et que les citoyens turcs sont son armée. Il l'a dit, il l'a même proféré sur le territoire de l'Union européenne lorsqu'il est venu pour ses élections personnelles, pour faire voter les Turcs qui sont en Europe et d'ailleurs qui se sont réunis lors de grands meetings où on a séparé les hommes des femmes. Il le dit encore avec son parti Égalité et Justice, en présentant des candidats de son parti politique à des élections en France. Hein. Moi, quand j'ai été élue en 2017 comme députée pour la troisième fois, eh bien, dans ma circonscription, j'avais des candidats du parti Égalité et Justice, avec une femme voilée du parti de Recep Tayyip Erdogan, qui s'est présentée à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, en France. Donc j'ai interrogé le président Macron pour lui demander ce qu'il en était, j'attends toujours la réponse. On a même eu des candidats de ce parti politique qui se présentaient à des élections municipales. Donc on voit bien que c'est quelqu'un qui est organisé et qui avance ses pions en considérant que toute personne turque est un soldat de M. Erdogan. Et en se servant du Kosovo, de l'Albanie et de certaines enclaves dans l'Union européenne, bien sûr. Vous avez parlé du parti Égalité et Justice, donc qui se présentait aux élections municipales, législatives. Il y a dont des candidats se présentaient sous ces couleurs. Voilà, c'est ça. Et il y a une personne notamment qui a été condamnée il n'y a pas longtemps en France, un membre du parti Égalité et Justice. Ahmed Setin. Oui, c'est ça. Oui. Il était membre du parti Égalité et Justice. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a été condamné. Il a été condamné pour ce qui s'est passé à Décines, évidemment. Exactement, parce qu'il faisait partie des personnes pour incitation à la haine. Il a été condamné pour incitation à la haine, puisqu'il fait partie des Loups Gris, qui est l'organisation fasciste d'Erdogan. Je ne sais pas s'il en fait partie officiellement, mais en tout cas, il est considéré comme tel. Et il a été condamné pour incitation à la haine, puisqu'il est allé chasser des Arméniens à Décines, à Bron, à Lyon, etc., au moment du conflit du Karabakh. Et d'ailleurs, c'était marqué sur les murs, Teret, Tassip, enfin les initiales d'Erdogan étaient inscrites sur les murs de ces villes. Pour revenir un peu au Karabakh, j'ai parlé du fait que le ministère des Affaires étrangères et la position... Il faudrait peut-être mieux dire Aksar, puisque au Karabakh, c'est peut-être plus facile à prononcer en français, mais c'est le nom azéri, Aksar, c'est le nom arménien. Donc la position du ministère des Affaires étrangères et du gouvernement français consiste à dire que l'Aksar n'est pas reconnu par la scène internationale.
Alors effectivement, je pense que aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, le ministre Le Drian a dû être interrogé une vingtaine de fois par des députés et des sénateurs de tous les bords politiques. Moi, ma dernière question au gouvernement à l'Assemblée nationale a été sur le conflit du Karabakh et ma première question au Sénat a été sur le conflit du Karabakh. Effectivement, et c'est moi qui ai rédigé la résolution qui a été votée ensuite, proposée à Bruno Retailleau, à Gérard Larcher, et qui a été votée, bien sûr, par le Sénat. C'est vrai qu'on était absolument, et on est encore absolument désespérés et consternés de la façon dont le ministre Le Drian a répondu et répond encore aux questions qu'on lui pose sur la situation en Arménie et au Karabakh. Parce que même si effectivement en Arménie et au Karabakh, les Axariotes et les Arméniens ont trouvé que Monsieur Macron, Monsieur le Président Macron, avait au moins désigné l'ennemi et dit les choses, c'était bien. Mais si c'est pour envoyer de l'aide humanitaire à l'Azerbaïdjan comme à l'Arménie, c'est juste consternant. Et si c'est pour continuer à faire dire à son ministre des Affaires étrangères, alors que vous savez, la politique étrangère, c'est le domaine réservé du Président de la République, qu'il faut rester neutre, c'est juste pas entendable. Être neutre, c'est choisir son camp. Et la France, en restant neutre, choisit le camp de la barbarie. Et non seulement elle choisit le camp de la barbarie, mais elle accepte d'être totalement méprisée dans les accords internationaux, puisque la France n'est absolument pas apparue dans les accords de paix, entre guillemets, ou de soumission de l'Axarte du 9 novembre. D'une part. D'autre part, on a très bien su ne pas rester neutre. Au Kosovo, on n'est pas resté neutre. On est allé contre les Serbes. Donc on sait parfaitement de temps en temps de ne pas rester neutre. Ce qui se passe aussi en Ukraine, la France n'est pas restée neutre. Pourquoi rester neutre uniquement quand les Arméniens se font massacrer? C'est la question que tout le monde a posée à Monsieur Le Drian. Et c'est vrai que le ministre Le Drian a une réponse que je considère comme pas digne de la France et pas digne d'un Français. Heureusement, le Parlement a été l'honneur de la France dans cette affaire, puisqu'il a eu le courage, la pertinence et le courage de ses opinions, en tout cas en reconnaissant l'Axarte et en condamnant la Turquie et l'Azerbaïdjan, et en votant une résolution au Sénat et une résolution à l'Assemblée nationale, justement, qui vise à protéger et surtout qui vise à dire que le Sénat français, le Parlement français s'est saisi de cette situation et est en train de saisir tous les parlements européens ou nord-américains ou d'Amérique du Sud ou tous les parlements du monde et les organisations internationales comme l'Union européenne pour que tout le monde reconnaisse ce territoire et qu'afin que la diplomatie internationale se réveille enfin pour protéger ce peuple. Pourquoi les Arméniens du Haut-Karabakh seraient d'Arksak, pardon, seraient les seuls à ne pas avoir droit à l'autodétermination, à ne même pas avoir droit à la compassion internationale. C'est absolument scandaleux et indigne. Donc la France est en coprésidente au groupe de Minsk. Est-ce que vous pensez, après toutes ces années de négociations, donc 26 ans hein, de négociations pour être exact, est-ce que vous pensez que le groupe de Minsk a été à la hauteur? Est-ce que c'est ce qu'on attendait du groupe de Minsk? Pourquoi aujourd'hui M. Aliyev méprise autant les membres du groupe? Il estime que ce qu'il a fait n'a pas eu besoin de l'accord, il n'a pas eu besoin de l'accord des Ah ben ça c'est coprésidents du groupe sûr. de Minsk. Est-ce que finalement le groupe de Minsk a C'est servi à sûr quelque que chose? Ilyan Aliyev n'a pas eu besoin du groupe de Minsk ni de personne d'autre, à la fois pour se servir des djihadistes, à la fois pour envoyer des bombes au phosphore, pour envoyer des bombes non à des fragmentations, pour renégocier soi-disant des accords de paix, pour dire qu'il écraserait les Arméniens comme des chiens. Ça, c'est sûr qu'il a eu besoin de personne pour le faire, pour continuer, pour ne pas être sanctionné par la communauté internationale. Mais vous savez, la diplomatie, comme disait Churchill, ça sert à parler à ses ennemis. Et je pense que le groupe de Minsk, effectivement, n'a pas rempli son rôle. La France n'a pas rempli son rôle dans le groupe de Minsk, notamment au moment du conflit. Parce qu'à partir du moment où il y a le conflit, ben je pense que, y compris quand on est dans le groupe de Minsk, la neutralité n'est plus de mise, ce mot ne devrait même pas exister. Hein. Quand on envoie des bombes au phosphore sur une population civile, ça n'existe pas. Néanmoins, je pense qu'il est important que des groupes comme ça existent pour qu'on puisse parler et dialoguer.
Depuis que je suis sénateur, eh bien, je suis membre de l'OSCE et donc nous parlerons de ces sujets à l'OSCE, les organisations internationales. C'est important qu'elles existent et c'est important qu'on puisse discuter. Et vous pensez du coup qu'il faille changer de format au groupe de Minsk ou changer peut-être de... De toute façon, maintenant, il y a plusieurs questions que nous devrions essayer de résoudre. La première, c'est comment la paix peut être mise en œuvre. Or, aujourd'hui, on sait très bien que le conflit continue. Il y a des enlèvements, il y a des tortures, il y a des assassinats, il y a un génocide ethnique et culturel. Alors, effectivement, les gens sont partis. Enfin, ceux qui pouvaient n'ont pas été massacrés, mais ceux qui sont restés, on sait très bien qu'ils subissent le pire. Des monuments ou des sites qui font partie du patrimoine de l'UNESCO sont menacés, ont déjà été détruits. Donc tout ça, ça fait partie des choses dont la diplomatie internationale doit se saisir, parce que... Il y a une réalité qui est objective. L'Arménie, on va dire que c'est 3 millions de personnes. En étant très généreux sur le nombre. La Turquie, c'est 82 millions. L'Azerbaïdjan, c'est presque 10 millions. Et en Iran, il y a 15 millions d'Azéris. Donc on voit bien que la population arménienne ne peut être protégée que par la communauté internationale, parce qu'elle est trop petite pour faire face à cette haine qui a été entretenue, qui est un racisme d'État, aussi bien en Turquie qu'en Azerbaïdjan, envers les Arméniens. Quand vous avez un chef d'État qui dit qu'il veut chasser une population comme des chiens, que la première chose que ces gens-là font, c'est viser les églises, supprimer toute trace de la présence arménienne. Et la présence arménienne, elle se voit comment dans ce pays ? Elle se voit par ses églises, par ses monastères, parce que c'est le premier État chrétien du monde. Donc personne, il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir qu'aujourd'hui, la volonté d'Erdogan de dominer le monde sunnite, d'utiliser des djihadistes pendant le conflit d'ailleurs en Syrie et aujourd'hui pour les envoyer en Artsakh en disant qu'une tête d'Arménien ça valait 100 dollars je crois ou des prix aussi horribles et en leur promettant aussi des terres là-bas, on voit bien sa volonté de mener une guerre, une épuration ethnique et religieuse pour chasser les Arméniens de ce territoire. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont chrétiens. En parlant de notre coprésident du groupe de Minsk, la Russie, on dit très souvent que la région de l'Artsakh, le Caucase du Sud en général, est sous l'influence russe et que l'Occident n'y a pas son mot à dire. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration ? Est-ce que c'est vrai ? Et comment expliquer l'absence des États occidentaux du traité du 9 novembre ? Je me l'explique mal parce que s'agissant de l'Ukraine, par exemple, ou du Kosovo, la communauté internationale s'est exprimée. S'agissant du Caucase du Sud, tout le monde a fait semblant de ne rien voir. Et pourtant, génocide ethnique, culturel, épuration ethnique, pourtant crime contre l'humanité, crime de guerre, génocide également, et tout ça dans le silence assourdissant de la communauté internationale. Donc je ne me l'explique pas et j'espère que les choses vont changer parce que je sais que des groupes de personnes ont saisi les organisations internationales pour condamner Aliyev et ses sbires pour crimes de guerre. Madame Boyer, durant la guerre, le conseiller de la présidence de l'Artsar, donc M. David Babayan, a déclaré, je cite, « Soit les autres pays de l'OTAN savaient ce qui se préparait côté turco-azerbaïdjanais et n'ont rien fait, soit ils ne savaient pas et alors cette alliance atlantique a un sérieux problème. » Est-ce que vous pensez que certains pays de l'OTAN, si ce n'est pas l'organisation, mais certains pays peut-être de l'OTAN, étaient au courant de ce qui se préparait côté turc et si oui, pourquoi ces pays n'ont pas réagi ? Je pense que c'était compliqué de l'ignorer, surtout, j'allais dire, fin juin, début juillet, puisqu'il y avait déjà eu une tentative d'incursion dans le Tabouche, effectivement, par des Azéris. Et puis, à un moment donné, il y a les faits qui sont têtus. Je vous ai parlé tout à l'heure du rapport démographique, mais quand on sait que le budget de l'armement de l'Artsakh est largement supérieur au budget même de l'Arménie, donc à un moment donné, ces armes, elles servent à quelque chose, surtout quand du matin au soir, on inculque aux enfants la haine de l'Arménien, on leur apprend des chants racistes, on fait la promotion
de gens qui ont tué des Arméniens, l'affaire Safarov aurait dû déjà mettre au ban de la société des nations l'Azerbaïdjan. Enfin, clairement, ça n'a pas été le cas. Donc, bien sûr que je pense qu'ils ne pouvaient pas l'ignorer. Vous savez, moi, je me suis rendue à l'OTAN dans le cadre d'une formation à l'IHEDN et j'ai posé la question. Hein. On ne m'a pas répondu. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ok. En parlant aussi... J'ai posé la question de la présence de la Turquie au sein de l'OTAN en demandant mais comment se fait-il que la Turquie fasse toujours partie de l'OTAN? Comment n'est-elle pas exclue de l'OTAN? Non, pour l'instant je n'en ai pas eu, mais je pense qu'il faut sérieusement se poser la question. Et on peut la poser aussi différemment. Comment la France supporte de rester dans l'OTAN avec des alliés pareils? Comment la Grèce supporte de rester dans l'OTAN avec des alliés pareils? Ce sont des questions qu'on doit absolument se poser. Comment peut-on rester dans l'OTAN alors qu'un pays de l'OTAN nous fait un chantage aux migrants? Alors qu'un pays de l'OTAN, par exemple, je crois, emprisonne le plus de prisonniers, de journalistes au monde. Je crois que c'est la Turquie et la Chine qui détiennent ce record. Enfin, la Chine ne fait pas partie de l'OTAN. Mais toutes ces questions-là, on se les pose, on n'a pas de réponse et ça dure. Je pense que c'est plus possible. La question de Chypre, déjà. Est une question qui est centrale et pourtant elle n'est jamais traitée. En parlant aussi, elle n'est même jamais évoquée, y compris dans les médias français. Hein. Pourtant, moi je l'ai évoquée énormément de fois en tant que députée, mais j'ai jamais eu de réponse. Si on regarde du côté d'Erevan, en tout cas en ce qui concerne la période de la guerre, donc les 44 jours, certaines personnes ont eu l'impression que la position diplomatique des autorités arméniennes était un peu remplie d'illusions. Certains s'attendaient à une réaction du groupe de Minsk, d'autres s'attendaient à une intervention militaire de la Russie, alors que ça n'a jamais été envisagé, en tout cas durant la guerre. Est-ce que l'Arménie pourra compter sur un allié qui saura toujours rester à côté d'elle? C'est-à-dire, est-ce que la plupart des Arméniens aujourd'hui se posent cette question, c'est de savoir est-ce que l'Arménie a des alliés? Est-ce que nous, on peut compter? Je ne sais pas, c'est comme Israël et les États-Unis. C'est un grand trait. Je pense que le seul État qui est venu au secours, ou en tout cas aux côtés de l'Arménie, jusqu'à présent, vu d'ici, c'est la Russie. Mmh. Donc oui, il faudra... Le rapport démographique est tel, et j'allais dire l'inertie de l'Union européenne également, et même des instances internationales, effectivement. Pourtant, les instances internationales arrivent à s'émouvoir des Ouïghours, arrivent à s'émouvoir... Mais il y a des conflits, celui de l'Arménie, celui du Yémen, tout le monde s'en fout. Ce qui se passe au Nigeria, tout le monde s'en fout aussi. Enfin, je veux dire, ça n'émeut personne. Et il y a d'autres conflits qui émeuvent l'opinion internationale. À quoi c'est lié, à votre avis? Aussi le fait que Emmanuel Macron a été l'un des premiers leaders européens, en tout cas, à souligner la présence des mercenaires syriens dans la région, combattant du côté de l'Azerbaïdjan, mais il semblerait qu'il n'y a pas eu plus. Je suis triste de la diplomatie française qui est obligée, qui même alors que le Parlement lui demande. Alors que franchement, je rappelle quand même que nous sommes dans un régime parlementaire, que démocratiquement, les deux chambres ont voté pour la reconnaissance de l'Artsakh. Les deux chambres, donc la représentation nationale s'est prononcée pour ça, a demandé de sanctionner la Turquie. Et pourtant, il n'y a aucune réaction du gouvernement. Moi, je n'ai pas vu les diplomates français se déployer dans les pays de l'Union pour essayer de trouver un accord similaire. Je n'ai pas vu non plus la diplomatie européenne, par exemple, rappeler ses ambassadeurs ou renvoyer les... Enfin, un geste vis-à-vis de la Turquie. Or, il y a urgence à agir vis-à-vis de la Turquie pour l'arrêter pendant qu'il est encore temps.
Est-ce que vous pensez que, que les raisons économiques ils sont pour quelque chose ou c'est purement politique, c'est purement idéologique? Est-ce que c'est de la peur finalement? Je vois pas trop pour les raisons économiques parce que aujourd'hui le rapport est plutôt favorable à l'Union et pas l'inverse. C'est vrai que la Turquie se trouve dans une situation politique comme économique très difficile. C'est vrai que les milliards de l'Union européenne pour à la fois pour l'adhésion mais aussi pour le changement aux réfugiés lui permettent peut-être de maintenir un certain niveau, mais je pense qu'aujourd'hui les actes d'agression de la Turquie sont tels que je ne comprends pas comment cette question n'est pas traitée au niveau de l'Union et je ne comprends pas pourquoi la France, si elle n'arrive pas à le faire au niveau de l'Union, ne le fait pas seule ou en tout cas n'essaye pas de dire à ses collègues de l'Union européenne ce n'est pas possible et notamment à l'Allemagne. L'Allemagne ne doit pas décider pour toute l'Union européenne. Or, il semblerait quand même que le leadership que l'Allemagne exerce sur l'Europe commande aussi sur le plan de la politique internationale. Mais ça, c'est pas possible. Je pense que là, nous atteignons un point majeur de la politique, des droits de l'homme, de la cause universelle du respect des droits humains, qui n'est pas possible. Pour conclure... je sais que, en ce qui concerne l'Arménie, la position aujourd'hui, certains pensaient peut-être que le traité du 9 novembre permettrait l'instauration de la paix. Or, ce n'est pas du tout le cas, malheureusement. Non, c'est même pire, oui. C'est même pire. La question des réfugiés n'est toujours pas résolue. La question de certains territoires qui, de jour en jour, passent sous l'administration azerbaïdjanaise n'est pas résolue non plus. Certains pensent que Nicole Pachinian, c'est un traître, etc. Bref, beaucoup de tensions internes. Une personne comme vous, quel conseil vous donneriez aux habitants, pas aux autorités, mais aux habitants de l'Arménie? Comment s'en sortir? Il y a eu des pays qui ont connu beaucoup pire, évidemment, mais qui ont su se relever, qui ont su être à la hauteur. Et qu'est-ce qu'il faut, en fait, pour s'en sortir? Je ne me permettrai jamais de donner un conseil à qui que ce soit, et surtout à un pays étranger. Je ne suis pas sur place, ce n'est pas possible. Tout ce que je peux faire, c'est assurer de mon soutien, de mon amitié, d'essayer, à mon modeste niveau, de porter une voix, celle de la paix, celle de la protection de la vie, celle aussi de la solidarité vis-à-vis des blessés, des familles. Voilà, mais je crois que il faut être aveugle ou faire exprès de ne pas voir que ce qui se joue aujourd'hui dans le sud Caucase, ou il faut être sourd pour ne pas entendre ce que disent aussi bien Aliyev que Erdogan, qu'aujourd'hui ils se livrent à une guerre contre les Arméniens, parce que c'est vrai qu'ils les gênent sur la route de l'expansionnisme turc, puisque un des rêves d'Erdogan, c'était de faire en sorte qu'il y ait un couloir turcophone de la mer Noire Méditerranée jusqu'à la mer Caspienne, donc il y est arrivé, bien sûr, mais c'est aussi... pourquoi les Arméniens gênent? Parce que les Arméniens ne sont pas sunnites, ne sont pas chiites, parce que les Arméniens sont chrétiens. Et c'est vrai que c'est le premier État chrétien du monde. Et donc aujourd'hui, dans le même si cette question-là a été occultée, je pense qu'elle est centrale et que le premier État chrétien du monde, eh bien, est abandonné par la communauté internationale. Et ça, je pense qu'il faut le dire. Mais c'est vrai que ça va... Je pense que ça va... au-delà de la guerre de religion, c'est vraiment un génocide ethnique, culturel, et l'objectif, c'est probablement de rayer l'Arménie de la carte. Enfin, ce qu'il reste du royaume d'Arménie, qui est aujourd'hui République d'Arménie, et de la rayer de la carte. Est-ce que vous pensez, à votre avis, j'ai oublié de poser la question, mais certains disent que c'est un combat de civilisation, vous savez, ce terme est très répandu. Oui, c'est une guerre de religion, une guerre de civilisation. Est-ce que c'est plus des considérations idéologiques ou... Je vois pas en quoi les Arméniens gênent. Ils sont sur un territoire qui est pauvre, qui a pas de pétrole, qui est complètement enclavé, qui continue à être étouffé, et notamment qui sera encore plus étouffé puisque on leur coupe encore une frontière en les encerclant de pays qui matin, midi et soir réclament la tête de tout ce qui est arménien, parce que c'est ça la réalité. Franchement.
La difficulté, c'est l'écrasement démographique de la Turquie, de l'Azerbaïdjan, des Azéris en Iran également. Hein. Même si c'est un pays chiite, les Azéris constituent quand même, je crois, la plus grosse minorité en Iran. Donc même l'Iran a du mal avec cette minorité. Et aujourd'hui, c'est le continuum que Erdogan veut exercer. Vous savez, par exemple, s'il voulait protéger les turcophones, les gens qui sont les plus près d'eux, il s'attaquerait à la Chine, puisque la Chine maltraite les Ouïghours aujourd'hui. Mais non, il préfère s'attaquer à l'Arménie et à l'Artsakh, parce que c'est beaucoup plus facile, tant le pays est petit. N'embête personne, essaye simplement de vivre sa vie et de continuer sa vie sans agressivité aucune. Et effectivement, je pense que cet été, Erdogan a essayé en Libye, en Grèce, à Chypre. Il a rencontré une opposition, donc il lui restait, comme tout le monde a tourné la tête quand il a massacré les Kurdes et qu'il continue à le faire, eh bien, j'allais dire que le point le plus simple pour lui assurer une victoire politique facile, eh bien, c'était de pousser Aliyev à faire ce qu'il rêve toujours de faire, ce qu'il clame dans les écoles matin, midi et soir, c'est-à-dire aller chasser les Arméniens comme des chiens. Donc voilà, je pense que ce qui s'est passé. Mais on a affaire effectivement à un massacre pour des raisons d'expansionnisme, de nationalisme, de régimes qui sont parmi les régimes les plus durs et les plus oppressifs de la planète, qui se fait sur le dos d'une minorité qui est pacifique pour une raison de pureté ethnique. Le génocide de 1915 a été réalisé par les mêmes. Quand même, je ne vous l'ai pas dit, mais vous n'ignorez pas qu'il est allé à Bakou et que aussi bien Aliyev qu'Erdogan ont glorifié Enver Pacha, c'est-à-dire les organisateurs, les commanditaires du génocide de 1915. Donc on voit qu'il se met dans cette logique. On n'a pas besoin de le déduire, on n'a pas besoin de le deviner, on n'a pas besoin d'enquêter, il le clame. Il s'en réclame. Donc, il n'y a rien à découvrir. C'est pas une politique cachée. C'est une politique qui est totalement assumée. En revanche, effectivement, l'Occident, la France, l'Union européenne, le Parlement européen l'ignore ouvertement ou fait semblant de ne pas le voir. Vous savez ce que disait Desmond Tutu, hein ? Être neutre, c'est choisir son camp. C'est vrai. C'est ce que... Mais comme vous l'avez dit, heureusement que le Parlement a été... Le Parlement, ça a été un petit peu ce qui sauve l'honneur ou ce qu'il en reste de la France. Mais vous savez, les présidents de la République successifs de la France ne peuvent pas se dire qu'ils reconnaissent le génocide, que l'Arménie est une sœur pour la France, etc. Et tourner la tête et répondre neutralité, c'est juste honteux. Franchement, c'est pas possible qu'on fasse ça aujourd'hui. Très clairement, pendant le conflit, moi, j'ai espéré que Emmanuel Macron, qui devait être le Mozart de l'économie, le Mozart de la diplomatie, etc., eh bien, il fasse ce qu'avait fait Sarkozy pour la Géorgie, c'est-à-dire qu'il prenne son bâton de pèlerin, qu'il aille partout. Moi, je serais allée à Moscou en premier en demandant de l'aide. Je serais allée au Parlement européen. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Rien. Et pourtant, Le Drian interrogé au moins une vingtaine de fois, oralement, aux questions au gouvernement, par écrit, par tout le monde, a répondu une neutralité. Donc, à quoi ça sert de, en même temps, dire qu'on reconnaît et en même temps ne rien faire et laisser son ministre des Affaires étrangères s'exprimer de cette façon? Moi, j'ai vu aucune organisation internationale se lever, j'ai pas vu de résolution à l'ONU, j'ai rien vu pour l'instant. Et quand on pense qu'au cœur du conflit, la France a envoyé de l'aide humanitaire en Azerbaïdjan, mais je vous assure, ça donne envie de pleurer, quoi, de rage et de honte. Est-ce que cet acheminement de l'aide humanitaire a aussi commenté dans le cadre de la neutralité ? Est-ce que parce qu'on a aidé l'Arménie, on devrait aussi aider l'Azerbaïdjan ? Vous savez, ça me rappelle
un petit peu, c'est comme les gens, moi j'ai refusé de faire des débats à la télévision avec des pro-azéris. Vous imaginez qu'on dise, bon, on va faire un débat 5 minutes pour les nazis, 5 minutes pour les juifs. On est exactement dans la même situation aujourd'hui. Donc non, c'est pas la même chose. Moi, il n'y a pas à être pro-azéri. Je ne suis pas pro des personnes qui génocident. Non, c'est pas possible. On ne débat pas avec ces personnes. On les combat. Et on aide ceux qui sont les victimes. Donc il n'y a pas d'égalité entre un agresseur et un agressé. Il n'y a pas d'égalité entre un génocidaire et un génocidé. On est du côté des génocidés, surtout quand on prétend que la France est une sorte pour l'Arménie. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour cette interview. Merci.